Concrètement, on utilise l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive et afin d'éviter tout arrêt de nos machines et toute éventuelle rupture de médicaments sur le marché. Donc on va pouvoir récupérer des baisses de performance d'un équipement dans une usine donnée. À partir de cette baisse de performance, on a la capacité d'analyser la cause de la baisse de performance. Et enfin, on a toutes les données via une plateforme collective qui nous permet de récupérer les instructions pour changer la pièce défaillante et l'envoyer directement à notre opérateur de maintenance qui aura un jumeau 3D via son iPad et qui aura donc la possibilité de changer rapidement et de façon et en sécurité la pièce défaillante.